flottait derrière moi, à une distance qui me semblait incommensurable. Le présent était confus et étrange, et je ne pouvais former aucune conjecture sur l'avenir. À regarder le jardin, qui rappelait singulièrement celui d'un cloître, puis mes yeux se reportèrent sur la maison, dont une partie était grise et vieille, tandis que l'autre paraissait entièrement neuve. La nouvelle partie, qui contenait la salle d'études et les dortoirs, était éclairée par des fenêtres rondes et grises, ce qui lui donnait l'aspect d'une église. Une large pierre, placée au-dessus de l'entrée, portait cette inscription. Institution de Lowood. Cette partie a été bâtie par Naomi Brocklehurst du château de Brocklehurst en ce comté. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans le ciel. Saint Matthieu, je suppose que c'est verset 16. Après avoir lu et relu ces mots, je compris qu'il demandait une explication et que seul je ne pourrais pas en saisir entièrement le sens. Je réfléchissais à ce que voulait dire institution et je m'efforçais de trouver le rapport qu'il pouvait y avoir entre la première partie de l'inscription et le verset de la Bible. Lorsque le son d'une toux creuse me fit tourner la tête, j'aperçus une jeune fille assise près de moi sur un banc de pierre. Elle tenait un livre qui semblait l'absorber tout entière. D'où j'étais, je pus lire le titre. C'était Rasselas. Ce nom me frappa par son étrangeté. Et d'avance, je supposais que le volume devait être intéressant. En retournant une page, la jeune fille leva les yeux. J'en profitais pour lui parler. Votre livre est-il amusant ? Demandai-je. J'avais déjà formé le projet de le lui emprunter un jour à venir. Je l'aime, me répondit-elle après une courte pause qui lui permit de m'examiner. De quoi y parle-t-on ? Continuai-je. Je ne pouvais comprendre comment j'avais la hardiesse de lier ainsi conversation avec une étrangère. Cette avance était contraire à ma nature et à mes habitudes. L'occupation dans laquelle je l'avais trouvée plongée avait sans doute touché dans mon cœur quelques cordes sympathiques. Moi aussi, j'aimais lire. Des choses frivoles et enfantines, il est vrai, car je n'étais pas à même de comprendre les livres solides et sérieux. Vous pouvez le regarder, me dit l'inconnu en m'offrant le livre. Je fus convaincue par un rapide examen que le contenu était moins intéressant que le titre. Rasselas me semblait un livre ennuyeux. À moi qui n'aimais que les enfantillages, je n'y vis ni fait ni génie. Je le rendis donc à sa propriétaire. Elle le reçut tranquillement et sans rien me dire. Elle allait même recommencer son attentive lecture lorsque je l'interrompis de nouveau. Pouvez-vous me dire, demandai-je, ce que signifie l'inscription gravée sur cette pierre. Qu'est-ce que l'institution de Lowood ? C'est la maison où vous êtes venu demeurer. Pourquoi l'appelle-t-on institution ? Est-elle différente des autres écoles ? C'est en partie une école de charité. Vous et moi, et toutes les autres élèves, sommes des enfants de charité. Vous devez être orpheline. Votre père et votre mère ne sont-ils pas morts ? Tous les
les deux sont morts à une époque dont je ne puis me souvenir. Eh bien, toutes les enfants que vous verrez ici ont perdu au moins un de leurs parents. Et voilà la raison qui avait donné à cette école le nom d'institution pour l'éducation des orphelins. Ou bien, nous élève-t-on gratuitement, nous ou nos amis, payons 15 livres sterling par an. Alors pourquoi nous appelle-t-on des enfants de charité? Parce que la somme de 15 livres sterling n'est pas suffisante pour faire face aux dépenses de notre entretien et de notre éducation. Ce qui manque est fourni par une souscription. Quels sont les souscripteurs? Des personnes charitables demeurant dans les environs, ou bien même habitant Londres. Et qui et quelle est cette Naomi Brocklehurst? C'est la dame qui a bâti la nouvelle partie de cette maison, ainsi que l'indique l'inscription. Son fils a maintenant la direction générale de l'école. Pourquoi? Parce qu'il est trésorier et chef de l'établissement. Alors, la maison n'appartient pas à cette dame qui a une montre d'or et qui nous a fait donner du pain et du fromage. À Mademoiselle Temple? Oh non, je souhaiterais bien qu'elle lui appartienne, mais elle doit compte à Monsieur Brocklehurst de tous ses actes. C'est lui qui achète notre nourriture et nos vêtements. Demeure-t-il ici? Non, il habite au château qui est éloigné de Lowood d'une demi-lieue. Est-il bon? C'est un master et on prétend qu'il fait beaucoup de bien. N'avez-vous pas dit que cette grande dame s'appelait Mademoiselle Temple? Oui. Et comment s'appellent les autres maîtresses? Celle que vous voyez là et dont le visage est rouge, c'est Mademoiselle Smith. Elle taille et surveille notre couture, car nous faisons nous-mêmes nos robes, nos manteaux et tous nos vêtements. La petite qui a le cheveu noir, c'est Mademoiselle Scatcherd. Elle donne les leçons d'histoire, de grammaire et fait les répétitions de la seconde classe. Enfin, celle qui est enveloppée dans un châle et porte son mouchoir attaché à son côté avec un ruban jaune, c'est Madame Pierrot. Elle vient de Lille et enseigne le français. Aimez-vous les maîtresses? Assez. Aimez-vous la petite qui a des cheveux noirs et Madame? Je ne puis pas prononcer son nom comme vous. Mademoiselle Scatcherd est vive. Il faudra faire bien attention à ne pas la blesser. Madame Pierrot est une assez bonne personne. Mais Mademoiselle Temple est la meilleure, n'est-ce pas? Oh, Mademoiselle Temple est très bonne. Elle sait beaucoup. Elle est supérieure aux autres maîtresses parce qu'elle est plus instruite qu'elle toute. Y a-t-il longtemps que vous demeurez à Lowood? 2 ans. Êtes-vous orpheline? Ma mère est morte. Êtes-vous heureuse ici? Vous me faites trop de questions. Nous avons assez causé pour aujourd'hui et je désirerais lire un peu. Mais à ce moment, la cloche ayant sonné pour annoncer le dîner, tout le monde rentre. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine.